Le 17 juillet, un DC-3 est abattu au-dessus du Jura par un chasseur pirate non identifié. On a découvert que cet attentat visait un important personnage politique que le DC-3 était censé transporter. Les services de contre-espionnage et la chasse française décident alors de tendre un piège à l'organisation internationale chargée de cet attentat. Le lieutenant Tanguy décollera à 9h10, d'un point prévu, à bord d'un DC-3 que l'ennemi va tenter de descendre. Vous vous tiendrez en attente sur sa route, à haute altitude, à la verticale de la forêt de Chaux. Dès que Tanguy sera attaqué, il vous fera signe par un code et vous guidera. Il s'agira pour vous d'intervenir dans les 90 secondes qui suivront. Consigne. Intercepter l'agresseur, le forcer à se poser ou l'abattre. Et pas d'hésitation. Hier, ce salopard n'a pas fait de sentiment. Ce guet-apens va donc être tendu en plein ciel par Michel Tanguy, Ernest Laverdure et les autres pilotes de la base de chasse de Dijon. C'est Tanguy qui a été chargé de piloter le DC-3 qui doit servir d'appât et dans lequel l'ennemi s'imagine qu'il va abattre le personnage officiel. Pendant ce temps, à très haute altitude, les camarades de Tanguy se tiennent prêts à plonger sur le pirate en espérant qu'il n'aura pas le temps d'abattre leur ami avant qu'il n'intervienne. Allô? Ah bonjour, cher ami. Mais non, voyons, vous exagérez. Écoutez, faites-moi confiance, cette fois-ci, il n'y aura pas la moindre erreur. L'avion du ministre a décollé à l'heure prévue. Dans 20 minutes au plus tard, tout sera fini. Liquidé. Confirmez-moi la chose immédiatement. Et notre pilote? Eh bien, comme hier, il vole en rase-motte, hors de portée des radars français. Alors qu'il est, il fonce vers son rendez-vous. De Molosse à Cadran, tout va bien, aucun curieux à signaler, je vole toujours en rase-motte, j'atteindrai le point convenu dans 3 minutes environ. Encore combien de temps? Merci. 30 nautiques. Encore quelques minutes. Tanguy approche de la zone où a eu lieu l'attaque d'hier. Lyon radar de Pigeon Kilo. Nous sommes à 8000 pieds au cap 305, à la verticale de la forêt de Chaux. Rien à signaler. Demandons instruction. Au cap Pigeon Kilo. Continuez votre route et tenez rigoureusement votre cap. Il est possible que l'ennemi ait modifié son plan d'attaque. Bien compris. Tanguy a pris un risque terrible en acceptant de servir d'appât. Son métier, c'est de se battre, non? Se battre, oui. Ne pas se faire tirer dans le dos. C'est notre seule chance de démasquer ces pirates. Vos chasseurs sont en place? Oui. Mais il leur faudra une bonne minute pour intervenir quand Tanguy leur donnera le signal. Pour ne pas se faire repérer, ils sont obligés de voler à des kilomètres de distance. Lyon radar. Ce canon Bravo. En attente à 30 000 pieds. Rien à signaler. Y a toujours rien de ton côté? Nous avons largement dépassé le point où s'est produit l'attentat d'hier. J'ai bien l'impression que c'est râpé. Il ne se passera rien aujourd'hui.
parle. Faudrait que ces salopards soient rudement gonflés pour remettre ça deux jours de suite. Bon, faut aussi bien de rentrer, hein. Pigeon Kilo, j'ai l'impression que ça sert à rien, mais... Écoute. Attention. Pigeon Kilo de Lyon Radar. Avion inconnu en montée dans votre dos. Tanguy, ça y est. Canon Bravo de Pigeon Kilo, Taléo! Le salopard, il a bousillé la radio. Aide-moi à tenir la manche! Aucun signal de Tanguy? Négatif. Absolument rien. Il est attaqué. Virez immédiatement de 90 degrés vers la droite, au cap 315. En descente accélérée jusqu'au niveau 50. Bien compris. L'hélice va se mettre en survitesse. Je coupe tout! Le moteur droit est en feu! Extincteur! Je peux plus le tenir! On va au tapis! Il faut sauter! À l'arrière, vite! Parachute! Et toi? Vas-y, je te suis! Je l'ai descendu! Attention, deux clients ont sauté avec leur parapluie. Je n'ai pu repérer que le premier point d'atterrissage, juste à la verticale du point Eco Papa 2235. Je répète, deux clients ont sauté avec leur parapluie. Atterrissage juste à la verticale du point Eco Papa 2235. Terminé. Bien compris. Terminé. Il y a du nouveau. Deux types ont sauté en parachute. Il nous les faut. Allez, en voiture. Je suis attaqué. J'ai la chasse aux fesses. Je demande instruction.
rien. Plus. Pardon, monsieur. Vous êtes fou. Qui êtes-vous? Un copain du gars qui t'a mis au tapis. Allez, dépêche-toi, passe devant. Allez! Rien trouvé? Faut se tailler! C'est plein de flics et de CRS! Suis-nous, on rentre! Je sais que ça n'a pas marché, mais enfin, quand même. Ce que vous me dites là est effarant. Vous vous êtes fait avoir, Max. Jusqu'au cou. On vous a monté un piège. Et vous vous êtes rué dedans, tête baissée. Tant pis pour vous, Max. Mais enfin, écoutez, dès demain, je... Il est bien téméraire de votre part de former des projets d'avenir, mon cher. Enfin, vous n'allez pas quand même... Moi, je pars pour les Bermudes. J'ai besoin de très longues vacances. Puisque la chasse ne me réussit pas, je vais pêcher. Adieu, Max. Ah non, 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 c'est pas moi qui va payer les pots cassés tout seul, quand même. Oh, mais si, Max. Qui casse, paye. Et c'est vous qui avez été maladroit. Allô, passez-moi les ops. Passez-moi les ops, grouillez-vous. Allô, les ops? C'est vous, mon commandant? Oui. Ici la Verdure, oui. Je viens de me poser, il me restait plus de 400 litres. Vous avez des nouvelles? On vient de retrouver Bernier indemne. Et on a repéré l'épave de l'avion.
Et Tanguy? Bah rien, on cherche. Il a dû sauter et puis tomber loin de Bernier. On l'a pas encore retrouvé. Oh mon Dieu, pourvu que... Comment annoncer ça à Nicole? Mais au fait, où est-elle, Nicole? Elle est en route, elle rentre. Elle ne sait encore rien. Allez, amenez-vous, j'ai besoin de votre rapport. Ok, le temps de signer les formes, j'arrive. Grouille-toi, Moritz. Tu nous rejoins chez Max. Il doit avoir des ennuis. Radoub opération? Radoub opération, m'entendez-vous? Répondez. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Cette fois, je crois que nous sommes perdus. Heureusement, on n'a pas été repérés. Ouais, c'est encore une chance. Profiler direction frontière. Les voitures sont prêtes? Oui, ils s'occupent de tout en bas. Bah, allez, effacez les traces de notre passage. L'alerte est donnée, Tanguy. Retardez ces crapules au maximum. Il faut les empêcher de filer. Bien compris, faites vite. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, ben moi j'y vais. Je fonce là-bas. Ernest! Ernest, où vas-tu? Michel! Quoi, Michel? Mon but s'expliquerait. C'est farci, Moritz. Alors, viens, on va monter chez Max. J'ai l'impression qu'il ne faut pas s'éterniser. Allez, ça le consolera. Il va pouvoir calmer ses nerfs. Le salaud, il a crevé tous les pneus. Le salaud. Qu'est-ce que tu as fait de Moritz? On se tutoie maintenant. Maurice, où il est? Il est dans les myrtilles, votre moteur. Alors qu'il est, on a dû le cueillir. Ah! Et le ministre que tu transportais? Quel ministre? Alors, ce ministre? Ah, parce que c'était un ministre. Alors, ce ministre? En conférence à Matignon, depuis 3 heures. Il a préféré la voiture.
Et la maison est cernée, il y a des flics partout. Surveillez la porte derrière. Filons par derrière. Oui, couvrez-nous. Merde. Prenez-moi ces deux-là par là. Attention à la porte derrière. Allez, embarquez-moi tous ces gars-là. Allez, allez, à la voiture. Tu t'es défendu comme un lion, hein? T'as dû avoir 36 chandelles? Ah, mais je vais te dire que là-haut, il y a un gus qu'on a vu qu'une. Une belle, toute rouge. Tu fais la tête, Ernest? Oh non, non, non. C'est l'émotion. C'est peut-être de vous voir heureux. Je pense à Annie. Ta fiancée? Ah, celle à qui tu écrivais tous les jours? Viens d'épouser le facteur. Console-toi. Si tu es ça, je te présenterai ma petite sœur. T'as une sœur? Oui, j'ai une sœur. C'est pas vrai? Oui. Elle est sexy, elle, je crois. Oh, oh, oh. Ah. Mignonne, 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 tu sais. Oh, alors, ça, c'est formidable. Allez, crac, vas-y. Oh, si t'as une sœur, là. Chevalier du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon, ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les chevaliers du ciel parfois pensent à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courageux malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse. La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière.